Horoscope Taureau du 26 février 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Célibataire, avec la planète Pluton mal aspectée culminant au beau milieu de votre ciel natal. Le climat amoureux risque de se compliquer quelque peu. Vos amours pourront être contrariés d'une façon ou d'un autre, ou bien vous pourrez être attiré par qui ne vous convient guère. Une rencontre nouvelle pourra vous laisser perplexe et ne déboucher sur rien de très encourageant. Si vous êtes en couple, vos relations sentimentales se poursuivront sous le signe de la stabilité, voire d'une certaine routine. Horoscope Argent. Le moment est opportun de plonger le nez dans vos comptes et de mettre au point de nouvelles stratégies financières. Si vous avez l'intention d'acquérir une maison, une voiture, vous aurez des idées judicieuses. Horoscope Santé. L'élément eau aura la vedette cette fois-ci. Vous aurez donc tout intérêt à faire appel à la thalassothérapie si vous voulez perdre quelques kilos superflus ou vous tonifier. Bien entendu, une cure de thalassothérapie n'est pas donnée, sauf si elle vous est prescrite dans un centre agréé par la Sécurité sociale. À défaut, prenez des bains d'algues, faites l'acquisition d'un appareil à faire des bulles pour l'hydromassage ou d'une douche multijets pour activer la circulation sanguine. Horoscope Travel. Côté travail, la présence de Mercure dans votre ciel fera naître dans votre tête des projets en grand nombre. Vous chercherez des appuis pour en réaliser quelques-uns. Et vous aurez de bonnes chances de réussir. Horoscope famille. La présence de Saturne dans votre ciel ne favorisera guère le dialogue chez vous. Chacun vaquera à ses occupations sans se préoccuper des autres, ce qui pourrait vous donner un sentiment de solitude. L'impact de Saturne pourrait également vous donner envie de changer de cadre de vie. Horoscope vie sociale. Vous prendrez un goût exagéré à l'indépendance. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états. Autant dire que vous réussirez très vite à provoquer l'hostilité générale, aussi bien dans votre entourage social que parmi vos amis. Si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, préparez-vous à être seul contre tous pendant un certain temps.